te brosser, Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur 10 ATM. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau chez Genton. Hello. Avec Arnaud, voilà, qui va devenir finalement notre présentateur officiel, je crois. Il passe très bien à l'écran, il est beau comme un camion, donc je vais l'engager. Aujourd'hui, on va se parler de chronographe, chronomètre. Vous voyez, je vous présente ma magnifique Festina qui a bientôt 20 ans d'âge. Et c'est de la merde. Et je vois qu'Arnaud, de ton côté, toi, tu nous as prévu un menu 4 plats. Et donc, on va parler un peu de cette complication-là et de son histoire. Donc, écoute, à toi la parole, explique-nous un peu tout ça. Bonjour à tous. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler principalement de chronographe. Et on entend souvent parler dans le langage horloger. Alors là, on va parler plutôt même aux novices, mais également à des personnes qui, finalement, s'y connaissent un peu plus en horlogerie, qui ont peut-être des montres, mais qui font souvent ne font pas la différence entre un chronographe et un chronomètre. Je fais partie de cette team-là, moi. La différence qu'il va y avoir entre un chronographe et un chronomètre, c'est qu'un chronographe, c'est un instrument de mesure. Voilà, aujourd'hui, donc, comme Julien l'a annoncé, aujourd'hui, on a une belle présentation qu'on va regarder ensemble. Mais si on prend cette carrière de chez Tagueyer, on est sur un chronographe parce qu'on a plusieurs indications dans le cadran qui vont nous permettre de faire des mesures, notamment chez Carrera, ce qui est connu, c'est pour tout ce qui est lié au sport automobile. Mais un chronographe peut également être un chronomètre. Un chronomètre, qu'est-ce que c'est? Un chronomètre, c'est une montre avec une certification qui s'appelle le COSC. Le COSC, c'est donc une certification qu'on va retrouver sur aujourd'hui une bonne partie des montres de luxe, qui donne notamment une précision de, si je dis pas de bêtises, c'est moins 4 à plus 6 secondes par jour. Donc voilà, ça c'est vraiment une donnée, hein, une certification qu'on va avoir sur la montre, qui va donner l'appellation chronomètre. Donc calibrage du mouvement qui reste dans ces critères-là. C'est ça, tout à fait. Moins 4 à plus 6 secondes par jour. Après, il y a une batterie de tests qui sont faits pour vraiment avoir cette certification-là. Dans d'autres marques, il y a une autre certification qui s'appelle également le METAS, qu'on va retrouver chez Omega ou chez Tudor, par exemple, qui est un autre organisme. Donc tout ça pour dire qu'une montre 3 aiguilles peut également être certifiée chronomètre sans forcément être un chronographe. C'est ça. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc une montre chronographe peut être chronomètre comme elle ne peut ne pas l'être. Précision COSC, certification suisse. Tout à fait. Qu'on n'oublie pas, si jamais on ne le retrouve pas sur des montres Citizen ou Seiko ou pour d'autres raisons, c'est parce que c'est principalement suisse. Chez les Helvètes. Voilà. Et aujourd'hui, donc on se retrouve avec une belle palette. Donc pour rester dans l'univers des chronographes avec des complications. Donc sur l'échelle tachymétrique, elle va servir à mesurer un temps. On va revenir un peu dans le détail juste après. Après, sur une pièce un peu plus spéciale chez Omega, l'Iconic Speedmaster, celle-ci, donc où on est sur le modèle Chronoscope, qui elle va donner non pas une complication mais plusieurs données. Chez Blancpain, la 50 Fathom Batiscaf en chrono flyback. Et la complication petite sœur qu'on va retrouver sur la premier héritage chez Breitling, en chronographe rattrapante. Donc là, grosso modo, à part un monopoussoir, ce qu'on se disait tout à l'heure, on a quasiment aujourd'hui... On a une belle palette. On a une grosse partie des complications que tu peux retrouver sur des montres certifiées chronomètres. Chronomètre, c'est voilà. Ça. On va commencer par la Carrera peut-être. Allez, on part sur la Carrera. Tu peux nous montrer du coup la fonction tachymètre, comment on s'en sert et finalement à quoi sert cette lunette graduée. Tout à fait. Donc... on va lancer, comme sur un chronographe traditionnel, le chrono avec ce bouton du haut. Ok, donc là, effectivement, la trotteuse est partie. C'est ça. Donc, comment fonctionne une échelle tachymétrique? On dépasse un kilomètre zéro et ça va mesurer notre vitesse sur un kilomètre entier. Donc là, voilà, on roule, on est en train de rouler, hop, on vient de dépasser le kilomètre. Donc là, on est sur une moyenne de 135. 135-140. C'est ça, tout à fait. Kilomètres par heure. Donc ça, c'est une donnée qui est... Aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus l'utilité de voir ça pour les pilotes aujourd'hui, mais c'est une complication qui est assez sympa avec cette échelle tachymétrique. Tu lances en haut à droite et finalement, remise à zéro directement sur le dernier en bas. C'est ça. Un classique, mais quand même, ça. Pour quelqu'un qui viendrait découvrir le fonctionnement, tu as toujours trois boutons. Pas tous la même fonctionnalité, mais en tout cas sur celle-ci, c'est voilà, marche arrêt et remise à zéro en bas. C'est ça, marche
Arrêt. Okay, donc la 300 à l'heure, vitesse GMK. Oh putain! C'est ça. Et remise à zéro. Ok. Ok, donc là, Arnaud, on se retrouve avec l'Omega Speedmaster. Je vois que tu as déjà lancé la fonction chronographe, ce qui est sympa. Et du coup, on a trois échelles. Une échelle tachymétrique. Et on voit bien ici sur, finalement, le dial intérieur qu'il y a deux échelles complémentaires. Alors, un télémètre. Perso, je sais pas ce que c'est, ça me parle pas. Et par contre, je vois qu'on a un pulsomètre. Donc là, par contre, l'aspect corps médical mesure des pulsations. Tout à fait. Mais le fonctionnement, est-ce que tu as un changement à réaliser ou est-ce que, enfin, comment tu t'en sers finalement de ces trois indications-là? Alors, comme sur le tachymètre, on lance le chrono. Ces deux échelles qui seront indépendantes. Donc, soit on calcule donc la pulsation avec le pulsomètre, soit avec le télémètre, ça va être la distance entre le tonnerre et l'éclair. Pour le pulsomètre, ça va être à peu près pareil. On lance le chrono et suite au pouls qu'on va pouvoir calculer, on aura notre tension à peu près. Okay. Et on va retrouver aussi le tachymètre qu'on retrouvera sur la. On a retrouvé sur la. Donc sur là, par exemple, si t'arrêtes, vas-y, coupe. Donc là, soit on roule à 225. C'est donc ça. Normalement, à cette allure-là, t'as des pulsations de 280. C'est à peu près mais ça. Mais techniquement, là, par contre, si on prend le pulsomètre, alors c'est un peu compliqué de voir à travers la caméra, mais on va dire que grosso modo, on est, je sais pas, moi, bon, allez, à 90 de pulse, hein, c'était pour donner une idée, mais effectivement, tu choisis l'aisselle en fonction de l'arrêté de ton aiguille. C'est ça, tout à fait. OK. Donc là, pour le coup, on est sur une autre complication. Donc, on est toujours sur le chronographe, mais avec la complication du flyback. En français, le retour en vol. Ça, c'est une complication qui est plutôt appréciée par les amateurs et les collectionneurs. C'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans le domaine de l'aviation. Alors, concrètement, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? On lance toujours le chrono avec le bouton du haut. Et là, avec le bouton du bas, on va avoir une remise à zéro qui va se faire à chaque fois, qu'on va appuyer sur le bouton du bas. Alors, c'est joli, mais à quoi ça sert? Typiquement, quand on a besoin de calculer plusieurs temps, que ce soit pour les bombardiers ou autres, on avait cette possibilité donc d'avoir une première donnée en suivant le chronographe. Et s'il fallait calculer un autre temps, on avait la possibilité de la renvoyer tout de suite, à la place de d'arrêter, de remettre à zéro et de le redémarrer. Et donc là, on est sur la première étage chez Viking, avec la complication pour le coup de la rattrapante. Concrètement, toujours pareil, on lance le chrono avec le bouton du haut. Mais alors elle va avoir une deuxième aiguille qui va se cacher. Donc il y a deux aiguilles superposées l'une au-dessus de l'autre. Ok. Concrètement, alors calculer un temps, c'est bien. Pouvoir en calculer deux, c'est encore mieux. Et donc là, on peut le faire par exemple sur de la course à pied, deux coureurs qui partent en même temps, on lance le chrono, mais si le premier passe d'abord la ligne d'arrivée, on va pouvoir calculer la perf de l'autre. Bon Arnaud, en tout cas, merci pour cette présentation. Personnellement, les montres, je les trouve mais canon. Alors par contre, ce que j'aime bien voir à la fin, c'est quand même le choix de chacun. Moi, si je devais en choisir une, je t'avoue que mon choix se porte sur cette Omega. Je la trouve, mais tout simplement magnifique avec le dessin intérieur, là, les différentes échelles. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de vraiment sportif, en plus, avec le bracelet, tu vois, un peu ajouré, comme ça, qu'on voit à travers, d'ailleurs, c'est très sympa. Et je la trouve vraiment très, très belle. Et toi, si t'en avais une à choisir? Je partirais sur la Blancpain. Et pour quel motif? Qu'est-ce qui te plaît sur celle-ci? Il faut savoir que la Blancpain Futivatum, c'est une des premières, si ce n'est la première montre de plongée. C'est toute une histoire, cette Blancpain. Ok, donc toi, c'est l'histoire qui te plaît, quoi. Ouais. Eh ben, écoute, c'est un très bon choix, je la trouve très belle aussi. Et ce que je te propose, ce qui pourrait être sympa, à la limite, c'est dans une prochaine vidéo qu'on puisse voir. Là, on a vu l'extérieur, le fonctionnement. Et t'aurais pas la possibilité de montrer l'intérieur d'un chrono? Oh, je devrais pouvoir trouver ça. Ce petit regard à la fin. Bon, bah écoute, je te prends au mot, les amis. Prochaine vidéo, on se retrouve avec Arnaud et on regardera le fonctionnement interne d'un chronographe. Merci à tous. Arnaud, merci à toi et à Janton. À plus tout le monde. Salut.